Yep. Voici les valises des élèves. Scolaire 2019, quel a été ton secret? Dis-moi un peu, comment est-ce que tu as fait pour te comment tu passais le temps? Qu'est-ce que tu faisais après? Comment ça s'est passé? Quand je faisais de l'école, je revenais, j'étudiais, je faisais ce que j'avais à faire. Et là, c'est pareil. Donc c'était du sacrifice. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce que tu dis à tes amis, Eden? Je dis à mes amis de faire pareil que moi, de travailler, d'étudier, et grâce à ça, ils pourront partir aux États-Unis. C'est un cadeau de l'école, c'est bien. Bon, dis-moi un peu, tu es très brillante. Tu as été meilleure élève dans l'établissement. Alors, est-ce que tu réfléchis déjà sur ce que tu aimerais être un jour à la fin de tes études? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, j'aimerais faire la médecine comme monsieur le promoteur. Waouh! La médecine comme monsieur le promoteur. Alors, je te souhaite bonne chance. Merci. Et surtout bon voyage et bon séjour aux États-Unis. Là, elle va bientôt pleurer, elle va l'envoyer. Alors, monsieur le promoteur, félicitations à vous d'abord. Merci beaucoup. C'est unique, voilà, là, vous venez de concrétiser votre promesse. Vous allez donc récompenser ces deux meilleurs élèves de l'école internationale du pays, Pointe-Bois et Brazzaville. Alors, pour un peu, quelle est la peine pour annoncer vos parents? Merci beaucoup. Comme nous avons dit durant l'émulation, qu'à l'espoir du pays, le meilleur élève voyage aux États-Unis et fait de l'établissement. Donc, nous avons l'élève Daniela Chidwimba, classe de 6e avec une moyenne de 16 de moyenne, et Zandou Benita de l'école de Mpisa avec une moyenne de 17. Ce sont deux meilleurs élèves, ce sont deux meilleurs troupeaux. Ce jour, nous sommes très fiers, très heureux de les faire voyager aux États-Unis. C'est le fruit de leur mérite. Ils ont mérité à avoir ces moyens et nous les récompensons avec un voyage payé aller-retour de Brazzaville jusqu'aux États-Unis. Et leur périple est très long. Quand ils vont arriver aux États-Unis, ils vont aller à Washington, ils auront la Maison Blanche, ils seront aussi attendus à New York. Il y a aussi la communauté congolaise de Chicago qui les attend. Et aussi, avec le jumelage, les enfants américains que nous sommes jumelés, ils vont passer des journées avec eux pour s'entretenir, jouer ensemble et faire ce que les enfants de leur âge font. L'école américaine du plateau de 15 ans est un peu, c'est le grand frère de toutes les écoles où la qualité est vraiment d'excellence. Et à l'école équipée de 15 ans, non seulement nous allons honorer le meilleur élève de voyager, nous aurons aussi la possibilité de faire voyager les élèves en pleine année, d'aller faire les cours aux États-Unis. Et en vice-versa, nous allons recevoir les élèves des États-Unis venir faire les cours ici. Donc c'est un programme qui est très, très ambitieux. Et ce jour témoigne nos réalisations parce que nous faisons ce que nous disons.
When we get there, we have too much to do. We need to go to New York, we need to go to Washington, to the White House. These kids work so hard. They deserve it. We need to bring them here, you know, to Chicago, to New York, to visit the White House. We're talking to all the children, the parents, to come in, to come to Plateau de Quinze and Pisa, and Pointe Noire, they need their kid. If they want their kid to be successful, they can come there, they can come to our school, because we're doing what nobody never do. Nobody can do that. No school cannot do that, because we pay everything to our pocket. That's me. Please, please, come to our school. You're going to be happy. You're not going to be disappointed. You guys are going to be very happy about it. All the moms, bring the children to Plateau de Quinze, to Pisa, to Pointe Noire. Okay, thank you. Yep.